Aujourd'hui dans Caravane, découvrez No Jazz, un mix chaud et diaboliquement énergétique de machines, de programmation, de platine, mais aussi évidemment de musique. Funk, salsa, flamenco, jungle, rock, mille autres choses encore. Mais surtout, No Jazz mêle le jazz en fusion, avec 5 musiciens directement sortis d'un jeu vidéo. Balat, Bilbo, DJ Spider Mike, le trompettiste Yomgi et le saxophoniste Phil Slam. Aujourd'hui, Caravane vous propose de redécouvrir le fun du jazz avec No Jazz. No Jazz, c'est justement le mélange de musiciens qui viennent du jazz comme moi, parce que moi je joue du saxophone, et c'est ce mélange entre tout ce qu'on peut trouver dans le jazz, à savoir l'improvisation et l'envie de prendre des risques en fait, tout simplement. Donc c'est du jazz, après les étiquettes c'est toujours un peu compliqué quoi. Et ce qu'on fait avec No Jazz, malgré le nom du groupe qui est No Jazz, c'est du jazz. Peut-être au sens premier du terme, qui était vraiment de l'entertainment, quoi. C'est-à-dire, les gens dansaient sur le jazz. Les gens s'amusaient, c'était la musique festive. On allait en boîte, écouter du jazz et danser sur du jazz. On est vraiment ouvert sur le monde. Quand on a fondé le groupe, premier but, c'était de faire une musique qui allait nous faire voyager. En venant de 5 personnalités vraiment différentes dans le groupe, déjà c'était plus facile parce qu'on avait 5 choses à dire qui ont fondé une chose qui est No Jazz. Donc ça aurait pu être impossible si on ne s'entendait pas. Mais comme vraiment le dénominateur, c'était de voyager, de faire une musique qui est à nous, de nous laisser parler, c'est-à-dire une discussion, il y en a un qui parle, on l'écoute, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment une générosité entre nous. Ça se bagarre, mais au final, si on fait un morceau, c'est qu'on est tous les 5 d'accord de le faire. Et ça fait 6 ans que ça dure, donc tout va bien. Musicalement, c'est vrai qu'au départ, on ne savait pas ce que ça pouvait donner. Le seul truc qu'on s'était fixé, c'était essayons que ça ressemble à pas des trucs déjà trop entendus, quoi. C'est la seule barrière qu'on s'était mis. Après, chacun peut amener ses influences. Donc, on a parlé de la funk, on a parlé du jazz, bien sûr, même si on s'appelle No Jazz, il y a évidemment beaucoup de jazz. On adore toutes les musiques d'Afrique, d'Asie, des États-Unis. Et on se sert un petit peu de toutes ces influences-là, sans essayer de trop les imiter, parce que ça deviendrait simplement de la reprise, quoi. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir notre identité dans chaque influence qu'on utilise. C'est vrai qu'on aime toutes les musiques. On n'est pas arrêté à un style. Moi, je n'aime pas que le jazz, même si j'aime beaucoup le jazz. Et on est tous comme ça, avec nos goûts différents, comme on est 5. Ça fait beaucoup de choses, en fait. Donc, chacun va amener un morceau dans ce qu'il aime. Et ça va donner des couleurs totalement différentes. Et ça nous donne un panel très large. Maintenant, ça n'empêche, on a toujours le son de notre jazz au final. On a pensé la musique, justement, dès le départ, pour que la MPC fasse une chose et la batterie en fasse une autre. J'ai une machine, c'est une MPC, c'est Akai qui fait ça, c'est la seule machine qui fait ça, qui permet de prendre des boucles et de s'amuser avec, et de faire, je fais un instrument, j'invente mon instrument. Quand les machines balancent un énorme groove, il faut que je trouve ma place. Donc ça peut être jouer que des cymbales, jouer des choses différentes de ce que font les batteurs habituellement.
pense encore une fois que ça a tellement démarré d'un truc simple qui est une générosité entre nous, on va dire humaine, et une écoute. Moi, quand il fait un solo, je suis là, je l'écoute, je le pousse pour son solo, aille au plus loin. Et quand il arrête le solo, il sait qu'il a été porté, donc il va m'écouter ou il va écouter la rythmique. Il va pas essayer de se mettre en avant pour dire « moi aussi, je peux faire ça ». En fait, c'est le jazz est là. L'improvisation, c'est le jazz. Et l'improvisation intelligente, c'est savoir écouter, savoir s'écouter pour laisser la place à une personne qui a envie de dire quelque chose. Donc si, même quand il fait un solo, il sent qu'il y a l'autre quelque chose à dire, il arrête le solo. Et c'est une intelligence quelque part de pouvoir arrêter ce qu'il a à dire pour écouter. Et ainsi de suite, quand il écoute son voisin, il arrête, il écoute et il refait. Et c'est un échange constant. Donc après, au niveau des cultures, comme on vient de cinq horizons vraiment différents, c'est plus facile. Parce que celui qui vient du hip-hop, il va envoyer un truc hip-hop, donc du coup, on va partir vers un truc funky. Celui qui vient du jazz, comme Philippe ou Guillaume, il va partir sur un truc un peu plus ternaire. Donc, l'échange est infini, en fait. Ça peut durer, tant qu'on s'entend, en tout cas, ça peut durer 1000 ans, quoi. On fait attention à toutes les musiques, que ce soit le slam, le rap, on pille, hein, quelque part, on prend ce qu'on aime, le peu qu'on peut aimer dans certaines musiques, on prend tout ce qu'on peut et on s'en sert, après on le digère et ça fait notre son à nous. J'aime la simplicité de l'électronique, mais je l'aime pas quand elle est seule. J'aime quand elle est quand un instrument acoustique la fait vivre. C'est ce qui est intéressant dans la musique d'aujourd'hui, c'est que l'électronique n'est pas seule et c'est vraiment chiant, quoi. Alors que l'électronique avec un batteur, avec un sax, ça arrondit les angles, ça amène une chaleur. C'est vrai que les musiques actuelles, il y a beaucoup de choses à prendre parce qu'effectivement, c'est en mouvement permanent, donc c'est très intéressant. J'ai commencé la musique vraiment passionnément par la funk musique. Vraiment, mon premier groupe, c'était un groupe funk où on essayait de rejouer les standards des GBs, de James Brown, de Maceo Parker, cette clique-là, de Sly. Moi, le premier trompettiste sur lequel j'ai flashé, c'était Louis Armstrong. C'était vraiment un truc affectif parce que le premier disque qu'on m'a offert, c'était un disque de Louis Armstrong. C'est par ce truc-là que j'ai décidé d'arrêter le violon vite et de faire de la trompette. Ensuite, musicalement, celui qui m'a vraiment le plus influencé quand j'apprenais l'harmonie, le jazz et tout ça, c'est Miles, bien sûr. Et j'ai eu la chance de le voir peu de temps avant qu'il disparaisse. Ça reste un souvenir incroyable. Le déclic, alors que j'étais pas du tout à la base musicien, ça a quand même été Michael Jackson. Il y avait un univers, il y avait du groove, ça a été vraiment. Ça m'a. Je l'ai pris en pleine face. Je me dis, la musique, ah oui, d'accord. Et du coup, après, bien, évidemment, Quincy Jones. J'étais un peu propre, quoi. J'étais Donald Fagen. J'étais vraiment. Et très vite arrivé Charlie Parker. Mais bon, j'aimais bien les séquences bien peaufinées à la Donald Fagen. Côté de la musique, on aime bien ce côté marrant, fête, costume, et ça compte aussi pour nous, c'est assez important. C'est-à-dire que on fait pas que de la musique, on a un peu une famille, on a envie de s'amuser entre nous,
d'être voyant, d'attirer l'œil. Pas pour plaire absolument, mais pour s'amuser, en fait. C'est un jeu en même temps. Je pousse à regarder les gens qui sont en face de nous. Et pas se regarder nous-mêmes. C'est les regarder quand on est au Sunset, mais les regarder quand on est devant 10 000 personnes au Canada. C'est regarder leur sourire et regarder leur envie de bouger. Moi, sans ça, je ne peux pas faire de musique. Que ce soit sur scène ou dans les pochettes, dans les affiches. Ouais, on aime ce côté scénique exagéré un peu, je pense. Il faut que les gens bougent, je veux que les gens aient du plaisir à nous voir. Je veux pas qu'on fasse une musique intérieure qui soit bien. Je veux pas qu'un solo soit beau pour être beau. Je veux qu'il soit beau s'il est généreux, s'il amène du bonheur aux gens, s'il fait partir les gens, s'il les fait partir s'il les fait partir autre part. Quand ils sortent de notre concert, j'ai envie qu'ils aient voyagé. Donc je pousse vraiment tout le groupe à avoir la pêche, à donner la pêche aux gens. Parce que sur scène, je bouge beaucoup, c'est pas pour rien. C'est que je bouge pour donner envie aux gens de bouger. Parce que cette musique-là, j'ai envie qu'elle bouge, quoi. J'ai envie. Je veux pas qu'on passe inaperçu, que ah, ça, c'était pas mal, notre jazz. J'ai envie que. Ou quelqu'un dise, c'était. J'ai pas aimé qu'il est parti. Ou alors, quelqu'un. Ou alors, qu'il soit excessif, en fait. On a envie de faire vraiment une musique excessive qui donne envie aux gens de dire des choses. De dire, oh, c'était génial. Ou alors, oh, j'ai rien compris. Ou. Mais qui est plein d'adjectifs sur notre musique. Et pas, oui, oh, oh, c'était sympa. Il y a des rencontres qui sont très importantes. L'aventure du dernier album, donc on a été l'enregistrer à Los Angeles. Et évidemment, là-bas, tu rencontres des musiciens. On était en plus dans un quartier vraiment black, quoi. Imprégné de soul music. Et on mangeait de la soul food, et on écoutait de la soul music, on était à fond dedans. Et ça se retrouve sur le disque. On a invité des rappeurs qu'on a rencontrés là-bas, ce qui n'est pas prévu au départ, forcément. Avec Stevie Wonder, c'était comme un rêve. C'était quelque chose qu'on a lancé comme ça, comme un défi à notre producteur à Los Angeles. Et puis il se trouve qu'il avait son numéro, qu'il l'a appelé, qu'il l'a invité à un concert, qu'il est venu, qu'il nous a invités ensuite à manger, et que ce repas a duré toute la nuit, et qu'il nous a promis qu'il reviendrait poser quelques notes sur notre disque, et qu'il l'a fait. Voilà, tout s'est passé vraiment comme ça. Sans qu'on ait le temps de comprendre ce qui nous arrivait, puisque bon, moi, c'est juste mon musicien préféré, tout simplement. C'est juste mon Dieu, c'est vraiment quelqu'un qui est plein d'amour, plein d'humour, qui a une intelligence rare, et ben voilà, qui dégage quelque chose comme ça, une espèce d'aura autour de lui, qui fait qu'on le respecte immédiatement.
même si on ne sait pas que c'est Stevie Wonder, voilà, il dégage quelque chose de vraiment positif, quoi. Quand, il y a une petite anecdote en passant, on marchait avec lui dans la rue comme ça. Moi, je m'attendais à quelqu'un qui marche avec 10 gardes du corps. Non, pas du tout. Il a juste son guide chauffeur qui fait un peu son homme de main, quoi. Il marche dans la rue comme ça et les gens... Il n'y a pas un effet comme ça pourrait faire, je pense, avec Britney Spears ou Michael Jackson où tout de suite, les gens qui s'agglutinent. Simplement, les gens lui disent « Stevie, I love you ». Voilà. C'est, tout le monde le croisait, lui disait ça comme ça. Donc, voilà, il dégage ce truc-là. Ce mec-là, c'est un mec plein d'amour, quoi. Le premier concert qui nous a vraiment scotché, c'est le Canada. C'est sûr, c'est à Montréal, Festival Montréal. On venait de sortir le disque, on avait fait déjà pas mal de concerts, peut-être une centaine de concerts dans les clubs, ça s'était super bien passé, on électrifiait les gens. Et au Festival Montréal, on devait arriver sur une scène précise à 9h30, le temps de faire la balance pour jouer à 10h. On arrive à 9h30 sur une scène qui n'était pas la nôtre. Donc le monde, on porte les claviers, on fait au moins 500 mètres à travers les gens pour arriver sur la scène, sur une grosse scène. On a eu 3 minutes pour faire le son, donc j'ai mis les claviers, on a joué de suite, donc devant 10 000 personnes. Donc on n'a pas eu le temps d'avoir peur ou de voir « Oh, t'as vu tout le monde qu'il y a ?» On a joué de suite comme ça, et ça a été mais énorme. Énorme parce que justement, on n'a pas eu le temps d'appréhender. On a fait la musique dans l'instant, comme ça. Sans dire « Bon, bah, alors qu'est-ce qu'on fait comme morceau ?» Le premier, il a été « J'ai envoyé, tout le monde est parti, comme ça. » Donc ça a été vraiment... Ça a été vraiment très électrifiant pour nous, parce que c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse notre musique constamment. On a un DJ cette semaine qui joue avec nous. À chaque fois, il nous dit qu'est-ce qu'on fait comme liste. On se tue à chaque fois à la changer exprès pour nous-mêmes nous mettre dans un état de risque. Donc, on veut prendre des risques. Et ce jour-là, on a pris des risques, mais sans le vouloir, parce qu'on est arrivé 5 minutes avant. Donc le risque, c'était que ça ne marche pas. Et en 5 minutes, on a fait le son, on a joué, et ça a été énorme. On a dit, attends, mais... Donc cette musique, il ne faut pas qu'on la formate jamais de notre vie. Il faut qu'on la fasse toujours dans l'instant, comme ça. Avec notre instinct, avec notre énergie, il faut qu'on soit à 5. Et les 10 000 qui sont devant, ils vont le sentir et ils vont sauter. Et c'est ce qui s'est passé. Donc on a enchaîné un autre comme ça, parce que j'avais des morceaux dans cette machine qui était là, j'avais ça. Et au bout d'une heure, ça a été, mais les gens étaient comme des fous, 10 000 personnes. Je dis bon, bah, là, il y a peut-être un truc qu'il faut garder. Donc on essaye, évidemment, au bout de maintenant, je sais pas, 400 concerts, on essaye de garder toujours la même énergie et le même taux de risque de ne pas savoir ce qu'on va faire. C'est très important. Donc après, évidemment, il y a des trucs qui marchent bien la veille, donc on essaye un peu de refaire. Ça remarche pas spécialement, mais on a une prise de risque qui est très importante. Quand on voyage, on est quand même une bande de potes, qu'on était avant de faire le groupe, enfin avant de jouer tous ensemble, on jouait ensemble mais séparément. Donc quand on s'est retrouvés, c'était pour se marrer, donc ça continue, on se sert du voyage pour vivre des choses ensemble. Voilà, maintenant c'est sûr qu'on tombe tellement, enfin sans prétention, mais on passe tellement de temps sur la route qu'on a toujours besoin de s'isoler, de faire ces petites balades chacun dans son coin, mais... de manière générale, on est vraiment un groupe, on reste un groupe en voyage, même encore plus. D'ailleurs, c'est assez étonnant quand on revient voilà, avec la famille, ceux qui ont des enfants, ceux qui ont une famille, il faut quand même zapper. C'est vraiment un autre truc. C'était la colonie de vacances et là, on revient, il faut remplir le frigo, tout ça. C'est dur. Let me hear my frown and I wanna go down.
c'est vraiment une recette d'aller piller entre guillemets ce qui se passe dans le monde entier. On écoute, tu peux écouter 2 minutes d'une musique brésilienne, tu es comme ça, tu écoutes 2 minutes à Moscou d'une polka. Tu pars à chaque fois d'un univers précis, donc il faut voyager. Je te dis la base du groupe, ça a été de voyager. C'est essentiel. On peut pas faire de musique sans voyager. Tu peux pas faire la musique et la proposer à des Parisiens ou à des Français toute ta vie. C'est pas possible. C'est intenable. Il faut la donner à un public bolivien et après le lendemain à des moscovites et tu vois ce que ça leur fait. Ils peuvent dandiner leur popotin sur des trucs complètement différents. Ça te donne des idées. À chaque fois, tu arrives en Espagne, tu crois que ce que tu vas faire en Espagne, la musique cubaine, ça va les faire, mais pas du tout. Parce qu'ils écoutent ça tout le temps. Donc c'est le contraire, c'est le jungle qui va les faire. Et par contre, la musique cubaine à Moscou, ils sont comme des fous. Donc, encore une fois, c'est une prise de risque qui fait que toi-même, tu t'attends pas à ce que le public te rend. T'es là devant et t'envoies quelque chose et la réaction du public est complètement différente dans chaque pays. C'est merveilleux, quoi. Tu crois que là, ils vont partir. Ah putain, c'est pas là qu'ils partent. Ah d'accord, ils partent sur un autre truc. Donc du coup, on fait cette partie un peu plus longue, ainsi de suite. C'est très important de voyager pour un musicien, je crois. C'est pour lui-même déjà, sans parler de musique. Parce que on apprend à respecter les autres quand on voyage. C'est-à-dire qu'on est obligé de s'adapter aux autres cultures. On va pas la ramener. On écoute, on regarde, et puis on observe. Et puis après, en tant que musicien, il est vrai qu'on peut déjà rencontrer des gens. On n'a pas besoin de parler. C'est ça, la musique, ça qui est génial. En fait, on peut très bien jouer avec quelqu'un sans comprendre un mot de ce qu'il peut raconter. Mais il y aura quand même ce truc qui passera. Mais voyager, je pense que ça, on découvre des musiques très différentes. Le but, c'est pas non plus de se les approprier, mais on peut prendre des idées. Et je pense que voyager, c'est vraiment primordial. Je trouve qu'on n'est jamais autant inspiré que quand on est en mouvement. Et pour nos jazz, ça s'applique tout particulièrement parce que c'est un groupe qui adore bouger, qui adore aller présenter ce qu'il fait ailleurs. Et voilà. Donc l'avenir, c'est ça, le mouvement, le voyage.